Ils ont quant à eux passé 19 jours en mer, souvenez-vous. En 2019, l'Italie avait refusé à 147 migrants d'accoster sur son sol. Ils étaient restés bloqués à bord du navire de l'ONG Open Arms. Et l'affaire arrive à son terme devant la justice italienne. Valérie Dupont, vous êtes en direct de Rome. 6 ans de prison ont été requis contre Matteo Salvini. D'abord, pourquoi une demande de condamnation si lourde ? Eh bien écoutez, hier devant le tribunal de Palerme, le procureur de la République a en effet motivé ce réquisitoire, un réquisitoire qui a duré 7 heures, tenez-vous bien. Eh bien il a motivé cela selon 3 choses, je vais les résumer évidemment. La première, c'est que Matteo Salvini n'avait, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, n'avait aucun motif de sécurité nationale, par exemple des terroristes à bord, pour bloquer ces personnes. Et donc selon le procureur, ce ministre a utilisé ce bateau seulement pour faire de la propagande politique. Deuxième raison, eh bien, le ministre n'aurait pas respecté le droit international qui veut que les droits humains soient toujours, prévalent toujours sur la souveraineté d'un État. Et puis troisième motif, c'est qu'il ne s'était pas concerté avec le gouvernement de Giuseppe Conte à l'époque. Il avait décidé tout seul de bloquer les ports aux bateaux des ONG sans se soucier ni de l'état de santé, ni des conditions humanitaires de ces 147 personnes qui sont restées à bord, comme vous l'avez dit, pendant 19 jours. Alors Matteo Salvini a réagi. En fait, il utilise, Valérie, politiquement ce procès. La présidente du Conseil a, elle aussi, critiqué la justice. Oui, en effet. Alors, il faut rappeler que ce n'était qu'un réquisitoire. Le jugement doit encore être donné fin de l'année, sans doute. Mais déjà, cette demande de 6 ans de prison a enflammé la politique italienne. Matteo Salvini a diffusé hier un vidéo où on le voit presque déjà comme un condamné, où il explique aux Italiens qu'en fait, il n'a fait que défendre la patrie en bloquant ce bateau. Et Giorgia Meloni a soutenu le vice-premier ministre de son gouvernement en expliquant que si défendre les frontières du pays deviennent un crime, eh bien cela, évidemment, est un précédent grave, a dit la présidente du Conseil des ministres. Mais avec cette réaction, clairement, une ligne rouge a été franchie. En démocratie, c'est le pilier de la séparation des pouvoirs. Imaginez la pression politique qui s'est placée sur les épaules de ces juges qui doivent décider de condamner ou non Matteo Salvini. Matteo Salvini qui a aussi appelé à manifester le 18 octobre à Palerme. Il a rassemblé ses troupes pour déjà, évidemment, expliquer aux Italiens qu'ils n'acceptent pas la décision des juges. Merci beaucoup Valérie Dupont en direct de Rome.